Bob Dylan, mieux tu nous disais que l'entrée c'est 2000, on allait payer. Mieux tu nous disais que l'entrée était uniquement sur ticket, on allait acheter nos tickets avant. Et hier là, on devait seulement aller avec. Pas nous faire vivre ce qu'on a vécu là-bas hier. C'est méchant. Dites-moi les ceux qui ont créé Africrea. Vous avez vu ce que Bob Dylan a fait, non? Première édition, 500 000 pour le gagnant et plein d'autres cadeaux. Vous vous offrez le savon pour que les enfants se massent et l'huile pour qu'ils se lubrifient avec. C'est quoi le but au fait? Parce que moi, je ne comprends pas. Vous faites les jeunes créateurs de contenu, eux se défoncent, eux votent. Parce qu'en plus, pour Bob Dylan, il n'y a même pas les votes. Vous gagnez dans les votes, les sponsoring et consorts, machin, machin. Souvent, c'est décourageant. Souvent, c'est. Vous savez pas que quand vous faites les choses comme ça, non, c'est très bien, Bob Dylan, honnêtement. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir encourager. Vous comprenez, non? C'est très, très bien. Il faut que tu continues comme ça. Il sait que, bon, première édition, voilà. Mais il pense que deuxième édition, tu auras beaucoup plus de sponsors. Mais il dit que ceux qui ont les grosses têtes là, qui organisent souvent les événements là, eux ne donnent rien. Mais si ce n'est que le truc en bois que la moisissure va bientôt attraper là. Hein? C'est. Bob Dylan, mieux tu nous disais que l'entrée c'est 2000, on allait payer. Mieux tu nous disais que l'entrée était uniquement sur ticket, on allait acheter nos tickets avant. Et hier là, on devait seulement aller avec. Pas nous faire vivre ce qu'on a vécu là-bas hier. C'est méchant. Je dis bien que c'est méchant. Il y a les gens qui sont arrivés là-bas hier à 15h. Moi particulièrement, je suis arrivé là-bas hier à 17h. Il y avait déjà une foule. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo que j'ai postée hier, il y avait déjà une foule de maîtres. Ils ont fait comprendre que non, on n'entre pas encore. Mais ils ont confirmé que l'entrée est gratuite. J'ai fait un premier post ici hier où j'ai dit, j'ai fait une vidéo où j'ai posté. J'ai dit aux gens que l'entrée est gratuite. Venez. Dès que j'ai posté la vidéo, j'ai reçu au moins 20 messages. Les gens m'appelaient partout que c'est où. Je donne les destinations. Dès que 18h, tout le monde fait comprendre que non, alignez-vous, vous entrez. Après, on comprend que l'entrée c'est 1000 francs. On veut même payer les 1000 francs, on ne nous laisse pas entrer. On part chercher les gens loin derrière. On part prendre les gens loin derrière. On fait seulement que les chaînes, ils entrent. Toujours comme ça. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés à 15h, 17h là, ne sont pas entrés dans la salle. Moi qui suis entré là-bas, je suis arrivé là-bas à 17h. Je ne suis pas entré. Après, on comprend seulement que l'entrée c'est 2000. Après, c'est 3000. On va prendre les gens loin derrière. Ceux qu'on a demandé d'aligner, vous étiez devant la salle du cinéma. Je vous assure que la salle n'a pas fait 20 minutes étant ouverte. La salle n'a pas fait même 30 minutes ouverte. On ouvrait, on ferme, on ouvre, on ferme. On va prendre les gens loin derrière. Jusqu'à ce qu'à 19h, Dylan porte cette photo. À 19h, il poste la photo aussi. Regardez-vous les images. À 19h, il poste la photo aussi. Et à 20h, regardez les images. On se dit que, mais à 19h, les gens sont pleins à l'intérieur. Ils sont passés par où? On était dépassés là-dedans. On demande que, mais les gens qui sont dedans sont passés par où? Parce que la porte, l'entrée n'a pas fait 20 minutes ouverte. Ils ouvrent là. 2 minutes, ils referment. Ils ouvrent. On ne va pas prendre les gens loin derrière. On nous laisse devant. On ne va pas prendre les gens loin derrière. On les fait entrer. On nous laisse là. Vous pensez qu'on n'a rien à faire de notre temps? Parce qu'on n'avait rien à payer là. Les gens qui sont quittés loin à Chapoma, à Bonaberry, à Souza, pour venir là-bas. Il dit qu'au moins 10 personnes m'ont appelé, j'ai donné les destinations. On veut même payer 1000 francs, ils refusent. On veut même payer 2000. Ils partent prendre les gens là-bas. Après, ils disent que la salle est pleine. Vous pensez qu'on n'a rien à faire de notre temps? Vous pensez qu'on n'a rien à faire de notre temps? Sous la pluie, regardez les images. Sous la pluie, vous laissez les gens dehors. Les gens qui sortent de loin. Non, c'est pas gentil. C'est pas du tout gentil. Mieux tu nous disais que l'entrée c'est 2000, 3000. On allait payer. Ou alors on allait payer nos tickets mal avant. Le jour là on passe seulement avec. Pas nous faire vivre ça. Tu avais dit que l'entrée est gratuite. Du moins tu nous avais rassuré que non, on paye l'entrée gratuite. Mais on va au moins payer quelque chose de colo. Soit les pauvres corps, soit la dernière, on a dit ok. D'où viens-tu maintenant que c'est 2000 pour entrer, c'est 3000. Même si tu veux même donner les 2000, on refuse. Moi je me plains pas du fait que je suis pas entré. Non. Je pleure seulement ceux que j'ai appelés. Ceux qui m'ont appelé m'ont demandé la destination, je les ai donnés. Ils sont arrivés, n'ont pas pu entrer. Ceux même qui ont pu entrer, qui ont payé vraiment la somme qu'on a demandé. Ceux qui ont pu entrer, regardez ce qu'on les donne. Voilà un message que j'ai reçu hier. Après ça va payer, c'était 2000. Voilà ce qu'on les donne. Un biscuit de 50. Avec les chiffres. Qu'on vend le paquet à 100 francs. Voilà ça. Vous pensez qu'on n'avait rien à faire hier de notre temps? Les gens étaient fâchés. À 20h, la salle est pleine, on ne sait pas où les gens sont entrés. Il fallait nous dire que c'était dans le vent, c'est moins devenu que dans la boîte. C'est comment? Il fallait nous dire que c'est la compétition de la famille. Parce qu'on voit les gens entrer, on demande, mais vous faites comment? Oh, c'est la soeur de Dylan, c'est la cousine, c'est la soeur. C'est devenu, c'est la compétition de l'amitié. C'était la famille qui partait là-bas uniquement. Regardez le rang
qui avait là-bas hier. Personne n'est rentré. Tous ceux qui sont rentrés, on ne sait pas comment ils ont fait rentrer. On voyait seulement les chefs rentrer. On fait. Nous qui sommes devant, on nous laisse. On va prendre les gens loin derrière. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je pleure même seulement mon transport que j'ai dépassé là-bas. Et ceux que j'ai fait arriver là-bas, si ça veut dire que je ne peux même pas arriver là-bas. J'ai fait arriver au moins 10 personnes là-bas. C'est moi qui ai donné les destinations. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là, finis avec les anas, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parent et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.